Comment se porte le marché des petites surfaces à Paris? Et y a-t-il, selon vous, encore de bonnes affaires à réaliser pour quel type de bien et dans quel quartier? Alors, faut fouiller. Faut fouiller, c'est comme n'importe quel marché. Il faut chercher. Alors, vous avez aujourd'hui des chasseurs d'appartements, si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle des chasseurs d'appartements qui vont vous trouver le bien, le bien qui est rentable. À Paris, on a de plus en plus de mal à se dire que le bien est rentable parce que les prix continuent à monter, comme on le disait tout à l'heure, alors que les loyers sont encadrés. D'où, forcément, l'écart se creuse de plus en plus. Et on dit que ceux qui investissent à Paris, ils investissent dans la pierre coffre-fort. Alors que ceux qui investissent plutôt en banlieue, là, ils cherchent plutôt la pierre rendement. Parce que le rendement est meilleur. Pourquoi? Parce que les prix sont moitié moins chers, alors que les loyers ne sont pas moitié de ceux de Paris. Il n'empêche que, c'est amusant que cette question, parce que j'ai signé un avant-contrat la semaine dernière d'un jeune homme qui achetait pour la première fois un investissement. Eh bien, il a acheté à 8 500 euros du mètre dans le 18e, entre la mairie et la chapelle, un bien qui est loué actuellement à une femme de 74 ans. Et je crois que le bien est loué dans les 600 mètres carrés. Il va emprunter d'après ce qu'il me disait, sur 25 ans, à un bon taux, hein, je crois qu'il va avoir un taux de 1,10, quelque chose comme ça. Et il m'a dit qu'il va essayer de faire encore baisser le taux pour que le loyer rembourse l'emprunt, ce qui est super rare. Ça s'appelle de l'autofinancement. Et j'avoue que c'est vrai qu'acheter ce genre de bien à Paris en autofinancement, c'est devenu super rare. Mais bon, vous voyez, la semaine dernière, il y en a encore un qui a trouvé. Bon, on peut juste quand même peut-être rajouter aussi qu'en termes de prix, il y a des disparités complètement folles à Paris. Entre le quartier Odéon, on est à 16 000 euros du mètre carré, et Pont de Flandre, dans le 19e, on est autour de 8 000 euros du mètre carré. Il y a comme ça 10 000 euros d'écart au sein de la même ville à Paris, avec voilà, des différences entre les quartiers. Et puis maître aussi, on peut rajouter, peut-être aussi pour donner des conseils, le fait qu'il n'y ait plus d'étrangers aussi actuellement à Paris. La carte, on va dire, de location touristique saisonnière, on va dire de Airbnb, elle est quand même, les cartes sont redistribuées avec peut-être beaucoup d'investisseurs qui se disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, les étrangers ne sont pas là, est-ce qu'on passe à une location, on va dire, classique ou en meublé? Est-ce qu'on revoit, est-ce que vous avez ce type d'information, maître? Oui, alors elle n'est pas chiffrée, mais effectivement, on a beaucoup de clients enfin beaucoup, des clients qui avaient acheté pour faire du Airbnb et qui aujourd'hui reviennent sur de la location longue durée en meublé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de locataire. Donc c'est ce qu'on dit, nous, aujourd'hui à la ville de Paris. Pourquoi le Airbnb a eu ce succès à Paris? C'est parce que, je sais que ce n'est pas forcément toujours le même style de clientèle, mais quand même, c'est parce qu'il y a un manque d'hôtels à Paris. On s'est mis en rapport avec la ville de Paris, notamment avec tous les candidats à l'élection, pour voir comment résoudre ces problèmes de logement, ces problèmes de Airbnb. Et c'est vrai que quand on constate à Paris, il y a vraiment un manque d'hôtels, c'est criant. Alors, il y a eu pas mal de petits hôtels qui se sont créés récemment, mais des hôtels de 2000 chambres comme ça, comme il y en a dans toutes les capitales mondiales, il y en a très peu à Paris. Donc, s'il y avait beaucoup plus d'hôtels, il y aurait moins de succès de Airbnb. Résultat, ben, moins d'investissement dans le Airbnb. Et là, on le constate, tous ceux qui ont voulu investir en Airbnb, ils avaient personne, très très peu de locataires. Ils se mettent aujourd'hui, forcément, faut qu'il y ait un peu de rendement, ils se mettent au meublé longue durée. Donc ça, c'est vraiment, on l'a constaté beaucoup. Voilà. Alors après, sur le gap entre les petits quartiers, enfin sur les quartiers où les quartiers chers et les quartiers pauvres, enfin pauvres, quand on Oui. paye 8 000 euros, c'est pas forcément un quartier pauvre. On a quand même constaté qu'il y avait une homogénéisation des prix à Paris depuis 20 ans. L'écart entre l'arrondissement le moins cher et le plus cher, il était pratiquement à 3. À Aujourd'hui, trois. il est à 2, il est à 2,1. Donc on peut dire que Paris se boboïse quelque part. En mettre Et quand on veut acheter moins cher, bah, qu'est-ce que font les Parisiens? Et c'est le succès de la petite couronne et ce qui explique ces prix aujourd'hui de 9% d'augmentation, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui franchissent le périph. Le périphérique devient beaucoup moins une barrière qu'avant.
Et en matière justement de bonnes affaires à réaliser, que pensez-vous entre les parkings ou même les ventes aux enchères des notaires, hein? Je crois que c'est toujours enfin, le mardi au Châtelet, est-ce que ça va reprendre bientôt? Ou là aussi on a des biens parfois complètement atypiques. Alors c'est le jeu des enchères, c'est qu'évidemment ça peut monter très haut, mais en tout cas ce sont des biens qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, ce sont des biens qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est vrai. Non, là, ça va reprendre, hein, bien sûr. Ça a déjà repris, il y en a une au mois de juillet. Là, c'est vraiment du coup par coup, j'ai envie de dire, parce que le jeu des enchères, c'est comme à l'hôtel Drouot. Vous avez quatre acquéreurs qui s'excitent sur un bien, eh bien, le bien, il va partir plus cher que ce qu'il ne vaut, parce que les gens sont excités par les enchères, tout simplement. Et donc ça dépend vraiment du bien. Si vous cherchez en fait un bien avec travaux, là vous avez peut-être plus de chances d'acheter moins cher que le marché si ce bien avec travaux est mis aux enchères, parce que vous allez voir, ça fait fuir les gens. Les biens avec travaux, ça fait vraiment fuir les gens. Il n'y a que un type d'acquéreur qui est intéressé par ça, c'est le marchand de biens. Mais le marchand de biens qui va acheter ce bien, lui, il va l'acheter, mais il fait attention parce qu'il veut une marge. Ce que vous ne voulez pas forcément. Donc vous voulez acheter pour vous un bien avec travaux. Si vous n'avez pas peur des travaux, eh c'est ce type de bien qu'il faut acheter aux enchères. Et sur les parkings? Ah, c'est très compliqué. Le marché des parkings, il est vraiment, c'est un marché au pâté de maison. C'est même pas à l'arrondissement, c'est au pâté de maison. Si vous avez beaucoup de parkings, et puis ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes à Paris. Il y a des endroits à Paris où vous avez des familles et d'autres où vous avez beaucoup moins de familles. Par exemple, le Marais. Le Marais, il y a très peu de familles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appartements très grands comme les immeubles Haussmann que on trouve dans une partie du 17e ou du 16e. Donc, forcément, dans le Marais, par exemple, c'est des lieux où vous allez trouver beaucoup de célibataires ou de jeunes couples. Mais pas beaucoup d'enfants, donc pas de voiture, donc pas de nécessité d'avoir un parking. Donc, très curieusement, un parking dans le Marais ne vaut beaucoup moins qu'un parking dans le 16e. Ça va quelquefois du simple au double, hein, de 40 000 à 80 000, par exemple. C'est pas rare de voir ça. Et j'en Donc, le parking. profite, Oui? ouais, j'en profite, maître, hein, puisqu'on parle de bonnes affaires à réaliser avec à la fois votre position et ce que vous entendez aussi tous les jours. Y a-t-il ben justement on parle beaucoup du Grand Paris, je ne vais pas dire des reports possibles, mais en tout cas des secteurs ou des villes qui auraient la cote en première ou en deuxième couronne. Qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous entendez? Oui, alors pour rebondir sur cette question, parce que vous m'aviez posé la question, je n'y ai pas répondu sur Paris. Moi, j'ai deux, trois petites idées sur les Ah, quartiers de Paris il faut le dire. Qui sont susceptibles de monter. Alors, il y a toujours ce 10e arrondissement qui est quand même Dixième. super central, qui a beaucoup monté, c'est vrai, parce qu'il s'est boboisé. Mais je pense très certainement qu'il va encore monter beaucoup parce que il est vraiment central, il est très irrigué par les voies de circulation. Donc, il n'y a vraiment aucune raison que ça vaille aussi peu. Un autre quartier qui peut peut-être monter aussi dans le futur, c'est le quartier des Épinettes. Ah. Pourquoi? Parce que vous avez 17e tout ce secteur, arrondissement. voilà, dans le 17e, parce que tout ce secteur des Batignolles qui a été rénové totalement, qui a pas mal monté, et à côté, vous avez le quartier des Épinettes qui, je pense, va monter, va bénéficier de l'augmentation des prix des Batignolles. Voilà, pour Paris. Pour la petite couronne, moi ce que je vous invite à faire, c'est aller toujours sur une ligne de métro ou près d'une gare RER, voire future gare, si vous avez la santé, d'une future gare du Grand Paris. Pourquoi? Parce que pourquoi si vous avez la santé? Parce que le Grand Paris, il n'est pas encore fait. Hein, il va sortir de terre à certains endroits dans 5 ans, voire dans 10 ans. Donc pendant ce temps-là, vous allez peut-être avoir du mal à louer. Quoique, quand on constate et que vous regardez une carte du Grand Paris, je vous invite à aller regarder, la plupart des 60 futures gares, elles se trouvent en petite couronne et non pas en grande couronne dans la Pampa. Et donc, dans cette petite couronne, elle est déjà beaucoup irriguée par des gares. Mais ces futures gares vont être encore un nœud ferroviaire plus fort. Donc, forcément, donner plus de fluidité, justement, surtout ces Franciliens qui veulent un peu s'éloigner. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il faut vraiment regarder les moyens de transport, c'est ce que un acquéreur regarde aujourd'hui. Je vous disais, une gare et la Wi-Fi.
Donc, c'est vraiment une étude de marché qu'il faut faire.